Secrétaire général marché commun caraïbéen Irwin Larocque rentré dans le pays d'Haïti jeudi 22 février à côté Lidoué participer chaîne victime d'IFE marché en feuillot remettre plusieurs chèques 20 000 goudes by marchand qui était marchandise yo boulé dans marché à cérémonie remise chèque là déroulée dans Primati jeudi. ONG Oxfam Grande-Bretagne pas autorisé fonctionner dans PIA jusqu'à nouvel ordre. Ministère Planification et Coopération externe annoncé. Mési Conservatoire ça contre ONGA jeudi. Commission Kilti à communication dans Chambre députée a rencontré jeudi 22 février à ministre Kilti avec communication en Limon Toussaint et puis directeur général Kilti ministère Jean-Michel Lapin. Discussion déroulée sous gestion budget qui était disponible pour l'organisation Carnaval 2018 là. L'actualité internationale là, président américain Donald Trump recevra hier mercredi dans Maison Blanche élèves et parents victimes fusillades par Klanlan. Pendant rencontre l'an président Trump, pas caché intention li sous l'idée pour ta autoriser professeur yo potezam en dans l'école yo. Ces points ça yo en pilote, nous pourrons le développer pour rebrancher Naptonin. Chaque jour dans la vie, ou qui pour faire un choix. Mais c'est où qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui vous mène en pile. Objectif l'île mobile. Avec le gouvernement CARICOM, qui a réalisé 26 à 27 février dans la capitale haïtienne, le secrétaire général marché commun caribéen, Irwin Larocque, est dans le micro, John Herbie Casséus et Hervé Pierre. Je suis venu aujourd'hui pour préparer pour la grande réunion chemin prochain demain. Je suis venu en réunion avec le président Moïse, pour parler contre toute bagaille contre la réunion là. Et demain aussi, en réunion avec les private sector, les businessmen, pour parler contre CARICOM Single Market and Economy. Ça, c'est un arrangement pour trade, pour faire commerce among tous ces membres CARICOM. So ça, c'est demain. Pour la grande réunion, les chefs d'État, les premiers ministres de tous les pays CARICOM sont venus dimanche et lundi. Matin, réunion qui a commencé. On peut pour parler contre climate change, disaster preparedness, et c'est l'autre bagaille comme ça. Nous qui parler contre ces bagailles. Ça. Le président Moïse, c'est le président de CARICOM. Il est chef CARICOM pour les prochains 6 mois. Il est chairman, tous les chefs qui sont venus ici pour joindre, pour parler, contre tout ce que c'est. Et ici, on est membre CARICOM, trade, commerce, c'est un de ces choses que nous parler contre. Bagaille contre climate change et disaster. Tous les pays caribéens, climate change qui a affecté les hurricanes, cyclones, qui a marché top. Nous avons parlé contre ça, nous avons fait et puis l'on est l'autre, pour aider l'on est l'autre, laisser les cyclones ça venir. Et l'autre disaster, comme earthquake, nous avons parlé contre tout ce qui s'est passé ça, en Haïti, qui bénéficie de tout ce qui parlé ça. Des nouveaux ambassadeurs remettent l'aide créanciaux mercredi 21 février dans le Palais national by président République la Jovenel Moïse. C'est ambassadeur états-unien Michel Jeanne Sison et ambassadeur pays Guatemala Rudy Armado Lopez. Deux diplomates qui ont contribué à un renforcement rapport zamitaï entre pays et Haïti dans divers domaines tant qu'Kilti.
lit contre catastrophe naturelle à Clotancor. Reportage Sabine Jean-Étienne à Jean-Naël Duverny. Ambassadeur tout neuf pays États-Unis, Michel Jean Sisson, vient remplacer dans poste ça diplomate Peter Mellrin qui prend retraite depuis février 2017. Michel Sisson dit qu'il est prêt pour renforcer rapports amitiés entre Haïti et États-Unis. D'autant plus, il a déjà une expérience diplomatique en Haïti, sorti l'année 1982 pour arriver 1984. Je suis tellement contente d'être ici. J'étais ici à Port-au-Prince en poste comme jeune diplomate entre les années 1982 et 1984. Alors, c'était toujours ma rêve de rentrer en Haïti en service diplomatique. Alors, cela a pris 35 ans, mais je suis là et je suis prête à travailler étroitement avec le gouvernement et le peuple haïtien pour renforcer les liens bilatéraux entre nos deux beaux pays. Je suis tellement contente d'être ici aussi parce que j'ai eu un grand respect pour le peuple haïtien, la culture haïtienne, l'histoire fière de ce beau pays. Ambassadeur Guatemala, Rudy Armando Lopez, Bokote Pal, dit pays libre pour travailler dans tête collée à Haïti pour offrir l'État haïtien compétences dans le domaine gestion risque et désastre. En el tema de turismo. J'ai parlé au président sur la possibilité de travailler sur des accords bilatéraux afin qu'on puisse collaborer dans le sens de la prévention des catastrophes naturelles et le développement du tourisme. Guatemala, c'est un pays très sismique en fait. On a des failles qui sont pratiquement dangereuses et ça fait déjà 25 ans qu'on travaille pour pouvoir prévenir ces genres de catastrophes et on pense avoir les connaissances nécessaires pour partager tout ceci avec Haïti. Nous donne l'expérience pour pouvoir transmettre à Haïti. Dans environ 4 jours encore, Haïti a parlé pour recevoir 29e rencontre intersessionnelle CARICOM nan, côté question risque et désastre dans la région, on va le débattre pendant 2 jours sous différents aspects. L'autre point dans l'actualité, ministère planification et coopération externe annoncé un mési conservatoire contre ONG Oxfam Grande-Bretagne. Mais ça n'a pas autorisé ONG, ça a fonctionné en dedans pays jusqu'à nouvel ordre. On suit le reportage d'Alinda Rival avec Robert Chéry. Ministère planification et coopération externe annoncé officiellement nouvelle décision yo prend contre Oxfam Grande-Bretagne, un mési conservatoire. Côté ONG ça pas autorisé pour fonctionner jusqu'à nouvel ordre en d'un pays ya. Dans sens ça, ministre planification et coopération externe, Metaviol Fleurant, reprochait ONG Oxfam Grande-Bretagne malgré yo au courant des rapports ça, mais pas alerté autorité judiciaire yo. Metaviol Fleurant rappelait ministère ya a prend toute l'autre mesure pour protéger droit victime yo, intérêt l'état haïtien en population an, et même ONG ça. Selon avocat Oxfam yo, décision ça c'est une décision qui vient trop vite. Mais il ministère planification et coopération externe prend pour suspendre ONG Oxfam Grande-Bretagne en Haïti a vini à cause abi ak exploitation sexuelle quelques employés ONG a commettre dans l'année 2010 et 2011 dans pays a. Rassemblement contre impunité qui regroupait un ensemble d'associations dans la société civile là invité population dans une matinée sensibilisation l'a organisé dimanche 25 février sous place Constitution Champ de Mars pour dire non à la corruption à travers activité ça association qui va être les mission goumen contre impunité à corruption viser sensibiliser population sous impact fléau corruption dans société. Il y a un extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Jordanie Basile. C'est un rassemblement qui fait après marche 5 décembre contre la corruption qui était organisé par association que nous connaissons assez bien, Kounia, le collectif du 4 décembre et ses alliés. Donc Kounia, tout le monde sérieux, toute association sérieux, est réunie sous un label qui tout indiquait que son gros rassemblement est lié. Donc c'est plusieurs associations qui le rassemblement ça. Nous t'ai parlé depuis le 5 décembre que c'est pas seule activité n'a fait. Nous avons étudié ensemble un programme d'activité qui, à partir de vision commune, vision consensuelle de toute association.
Et puis, au fur et à mesure, nous avons des activités que nous avons réalisées. Deuxième activité après marche là, donc, c'est l'activité que nous allons faire dimanche 25 février. Dimanche, c'est à Campine là, sous place Constitution. C'est pour nous matiner de sensibilisation. Parce que pas seulement un sitting, je nous habitué à dire là, que nous chitons en place et puis nous avons des pancartes, affiches. Non, on a fait plus que ça. Nous avons fait un jour matiner de sensibilisation parce qu'il y a plusieurs monde qui vont intervenir. Différents intervenants pour parler de qui ravage corruption a fait dans le secteur paille. Et en même temps, nous invitons ensemble d'artistes. Parce que j'aime bien dire que la corruption a traversé toute la société. Et en même temps, on n'a pas qu'à nous dans la société, quel que soit le côté là, agir, la vivre, l'œuvrer, on a capable de dire, et bien sentir que la corruption a touché. C'est comme ça, il y a des musiciens qui ont fait musique pour dénoncer la question de la corruption avec ravage. Il y a un poète qui fait ça tout. Donc nous invitons des artistes qui en même temps qui a alterné avec des veneurs pour nous dire comment ils sentent que la corruption a prolongé le secteur par eux-mêmes. Dimanche, donc, nous espérons tout haïtien, quel que soit couleur sortie, quel que soit couleur, quelle que soit religion, à partir du moment que quelque part au fond de votre cœur, bah, le cœur de Dessalines, soyez avec nous dimanche à partir de 10h du matin pour nous dire non à la corruption. La commission interministérielle qui chargée pour supporter Machan, victime d'effet Machan en fait, remettre plusieurs chèques 20 000 gouttes by Machan qui te gagne marchandise au boulet dans Machéa, dans le cadre de la cérémonie ça, qui déroulait dans Primati, jeudi 22 février. Membre commission a expliqué qu'il a continué à accompagner Machan de victime pour qu'il puisse reprendre activité commerciaux. Reportage Paquis Saint-Croix avec Wilbridge Moïse. Environ 200 Machan bénéficient d'un chèque 20 000 gouttes avec un petit cadre qui permet de recevoir un kit alimentaire dans la caisse d'assistance sociale. C'est la commission interministérielle chargée pour supporter Machan victime du fait Machan en fait qui fait distribution de chèques et tickets. Pendant qu'il a exprimé, c'est une première assistance pour porter bail Machan victime. Le ministre commerce et industrie Pierre-Marie Dumény et le ministre des Affaires sociales et travail Stéphanie Auguste fait connaître c'est un geste symbolique. Il dit qu'il a continué à accompagner Machan victime. En compte journée, jeudi, lui inscrit l'objectif. Pour nous dire machin que nous avons, nous t'en décrire et nous accompagner dans la mesure du possible. C'est ça que fait, je ne vous dis, suite à la recommandation commission qui a deux phases de l'intervention, ou phase conjoncturelle et ou phase structurelle. La phase conjoncturelle qui consistait à bail machin ou allocation. Nous avons un pile dans nous. Qui pote l'isbano, côté pour nous, qui permet nous identifier nous. C'est à travers de l'isayo, nous regrouper de façon symbolique aujourd'hui pour nous prendre 200 machines. Nous connaissons pas 200 machines qui perdent, mais il y a une équipe souterraine toujours, équipe ministère commerce, équipe ministère conditions féminines, équipe affaires sociales qui n'a marché là actuellement, qui prend doléance l'autre machine. Ministre condition femme avec droit femme unit innocent mandé machine pour organiser yo pendant administration Maurice à gouvernement La Fontaine a pris mesures nécessaires pour bailler plus encadrement. Président République là te mettait sous pied une commission. Elle te dit rapidement dans les 8 jours, 8 à 9 jours qui suivent, nous pral bailler une réponse. Parce que journée jodiant, président République là, tout membre gouvernement nous comprenons la douleur machin yo. Et moi-même, comme ministre condition femme et droit femme, tout le monde toujours connaît que généralement machin qui vend dans machin, c'est femme yo. Et nous connaît douleur maman petite. Première dame nan, li voye gros sympathie by tout machin yo en général, plus particulièrement mesdames yo. Nous dis journée jodi an, l'État prend responsabilité et c'est devoir nous pour nous accompagner
tout le monde en général, plus particulièrement mesdames. Béatrice Joseph, qui te prend la parole dans le nom de machin victime, remercie le président République Jovenel Moïse à travers la commission interministérielle pour assistance aux jeunes après marchandise qui passait en bas flamme du feu dans le marché Hippolyte. Là. Je accompagne tous les marchands qui sont victimes dans tout marché qui est victime, spécialement le marché Hippolyte. Moi-même, je dis à ma mère, s'il vous plaît, pas prendre bagaille à légèreté pour nous. Nous commençons bien, nous faisons un bon travail, nous solidaires avec ma chaîne, nous solidaires avec les femmes. Nous connaissons les femmes, voyons qu'on est au côté, les femmes à travail. Nous-mêmes, les femmes à bouger, nous tous côtés, nous sommes toutes nous la banque, nous n'avons pas rien. Nous n'avons pas escorte, nous n'avons crédit international. M'a besoin de nous. L'homme t'a capé m'a prélé. M'a dit président Payim. M'a dit président Payim. Sauvez-nous, non. M'a dit ouais, Stéphanie Auguste. L'a dit, l'a sauvé nous. Machin sa yo fait qu'on malgré qu'on m'a perdu dans ma chien fait, ça pas décourager yo, reprendre activité yo, pendant yo placer confiance yo, sur l'autorité concernée yo. L'autre dossier, Mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, MINUJUST, mettez en bout, jeudi 22 février, dans un séminaire 3 jours qui t'a fait sur mécanisme national pour élaborer rapport sous droit moun dans le pays. Plusieurs agents en administration publique là participé dans le séminaire ça. Youn participant yo, Marie Farachal, dit séminaire ça, permettre participant yo comprendre pi bien processus pour élaboration rapport sous droit moun yo doit soumettre chaque 4 ans dans siège Nations Unies. Atelier de formation ça tout d'abord li gagne et rapport avec mécanismes nationaux d'élaboration de rapport et de suivi. Et son série de structures que à travers formation ça que nous-mêmes nous venons prendre des formations pour nous capable élaborer pour nous capable coordonner. OK, et mettez-nous plus à jour sur mécanismes nationaux qu'on n'a pas gagné pour nous soumettre et recommandations que nous faisons par et organes de traité au niveau du Conseil des droits de l'homme Nations Unies afin pour une meilleure élaboration de organes de rapports que n'a gagné pour nous soumettre chaque 4 ans qui c'est examen universel et examen périodique universel. Direction départementale l'Ouest, police nationale d'Haïti mette bout jeudi 22 février à une information des jours. Il a réalisé pour environ 300 policiers, 28e promotion PNH là. Accueil à intégration, c'est sous thème ça, c'est une information ça réalisée pour encadrer jeunes policiers ça yo pour yo qu'à exercer fonction yo pi bien. Participants yo qui montraient yo satisfait, souhaité initiative ça arriver toucher toute l'autre policier qui était gradué dans 28e promotion. Ensuite, contre-indi Rodney d'Orléans à Cafrenel tout ça. Environ 300 policiers qui fait partie 28e promotion police nationale d'Haïti a pral affecté dans direction départementale l'Ouest. Participation yo dans séminaire formation ça pral aider yo gen bon jan information sur réalité terrain, yon façon pour yo ka travay selon norme institution et puis bay bon jan rendement. Objectif séminaire c'est d'abord pour nous d'accord encadrer yo dans premier pas que y a fait dans institution et pour nous bailler une bonne impression d'institution comme de monde qui recruté qui pour une formation alors théorique mais c'est l'occasion pour nous d'abord bailler une bonne impression de la police nationale de la direction départementale et pour cap connait et ensemble de droits devoirs des informations pratiques qui en cadre qui gère la vie le quotidien du policier à la fois informations administratives et aussi des informations pratiques et sous ensemble de problèmes que a gagné et qui voisin moyen yo gagne à disposition pour capable utiliser pour que yo capable vraiment joindre des solutions à des problèmes. L'Ouest pas même bien tout département hein son département côté que nous retrouver toute autorité de l'État au présent hein président premier ministre nous gagne direction générale inspection générale et c'est là tout nous gagne en pile média. Donc on suit exposition médiatique et c'est côté tout côté que en général qui fait écho à toute revendication et sociale. Donc un policier qui est dans l'Ouest, il fait face à un milieu
qui pas toujours facile, donc nous t'avons expliqué et notamment nous parlons plus sous relation notamment avec la presse. Dans l'intervention pour deuxième jour séminaire formation ça, France Saint-Fort Jean-Charles expliquait participants yo rôle, mission et fonction inspection générale police nationale d'Haïti. Inspecteur général là t'es profité occasion en tout pour fournir quelques conseils by jeunes policiers ça yo. L'inspection générale comme dans tout pays, c'est l'organe régulateur de la discipline au sein de l'institution policière dans Capano. Et dans le cadre séminaire ça que le directeur départemental de l'Ouest a organisé hein, et à travers nouvelle dynamique que l'inspecteur général en chef là a mis en place dans l'inspection générale, il était instruit tout un panel dirigé par moi-même Jean-Charles pour nous venir accompagner DDO dans le cadre du séminaire d'accueil et d'intégration à ces nouveaux jeunes que DDO se dit nous là. Pour nous venir faire comprendre les rôles, missions et fonctions de l'inspection générale. Pour nous faire comprendre que contrairement à cette ancienne perception qui laissait croire que l'inspection générale c'était un organe exclusivement de répression, pour nous faire comprendre que comme dans tout lycée, dans toute l'école, faut qu'on s'en saura pour régler discipline, mais dans l'institution panouan, nous avons l'inspection générale là qui régler aspect contrôle et discipline ça. Mais au-delà de aspect contrôle et discipline ça, nous gagnons un rôle tout aussi important qui c'est un rôle de conseil et d'encadrement. Et c'est aspect conseil et encadrement ça, surtout qui mène nous là matin. Wilkins Monker, qui c'est une parmi policiers 28e là, montrer satisfaction pour l'initiative ça pendant les promettre les pral mettre en application tout ça li apprend yo. Ce sont séminaires qui vraiment important pour nous-mêmes donc yo partager donc yo ensemble d'expérience ensemble avec nous et au cours de séminaire là donc yo parler yo miser en pile sur éthique et puis valeur et puis sur la police, surtout la police communautaire donc qui est extrêmement important pour que travail que nous gagnons pour nous pour offrir ensemble avec la population donc pour nous capable plus efficace là-dedans. D'après directeur départemental l'Ouest là, Berson Soljour, séminaire formation ça, c'est un premier pas dans toute une série qu'ap gain pour faire. Nous arrivons moment pour nous prendre une pause dans journal là, pas débranché, n'a tourné. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la... ministre intérieur collectivité territoriale là, Max Rodolphe Saint-Albin, avec directeur général PNH là, Michel-Ange Gédéon, sous responsabilité... Yo pour gérer marché yo appui qui doit poter bail machin pour déblayage marché million et puis renforcement système sécurité marché yo sans compter insécurité machin yo ap sibi chaque jour en bas la ville. Yo extrait président Sénat Joseph Lambert amico Roosevelt Desrosiers à Wilson Idoré pour plus précision. Il n'y a pas de crise véritablement au Sénat, il y a un malentendu que très certainement en pile sénateur ou bien des sénateurs qui parlent en majorité ont du mal pour digérer. On prend le temps nécessaire pour continuer à avancer et faire en sorte que nous kembe séance nous aux gens que nous tout kembe. Par exemple, jeudi, on sommes capables de dire que nous faisons une très belle séance côté tout le monde assisté. Et on continue avec vote sur collectivité territoriale, la question niveau municipalité. Et le lundi 5, on a toujours fait conférence des présidents pour nous établir agenda législatif pour moi maintenant. Et le Sénat fonctionne, a fonctionné normalement comme cela se doit. Ce que nous avons vécu avec, bien sûr, la présidence du sénateur Latortue, c'est que chaque mercredi, il y a toujours une question orale au gouvernement, mais il n'y a pas abouti à rien. Et c'est comme si on a un ensemble de ministres, de directeurs généraux qui viennent au palais, ils allaient, ils répondent aux questions, et puis ils s'en foutent pas mal. Et là, je vous dis à nous, même sous présidence PAM, nous tient à ce qu'après on ait une série de questions orales,
eh bien, il faut gagner des engagements qui prennent de part et d'autre, et puis des dispositions adoptées pour assurer le suivi de tout engagement qui prend par l'exécutif, là, et bon côté par nous, pour que nous soyons capables d'assurer pleinement notre fonction de contrôle. Il faudrait que ça, parce que nous tous gardons nos problèmes, nous vivons. Nous comprenons et l'impératif pour que y ait des dispositions qui sont adoptées. Donc même, très certainement, nous sommes capables d'avoir des directives, assurer nous que vraiment nous mettons la population dans une situation où nous assurer minimum, bien maximum protection, bien balayer assistance que je ne veux balayer. Commission FAMNA qui était rendue sur les lieux, qui évaluait et qui a nécessité pour intervenir en faveur de 4200 machines. Et nécessité pour que déblayer espace marché au bien vite pour que nous créer des conditions sanitaires nécessaires pour permettre que les marchandises reprennent, pour la vie reprenne dans différents marchés. Tout un ensemble d'opérations qui supposaient faites et que questionnement ont été faits là par ici avec CSPN. Non? Bref, en un mot, nous sommes capables de dire que pour aujourd'hui et pour tout ça qui sortit de séance de questionnement, ça, moi-même, personnellement, me suis satisfait. Merci. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine fait qu'on a un gouvernement à travers chaque ministère pour alpoter une subvention by chaque machine qui peut dire marchandise dans le marché qui boule. Chef gouvernement dit qu'il croit qu'il y a envie de non question loyaux pour bail sécurité dans le marché. Le Premier ministre Lafontaine soulevait problème matériel, tout qui gagnait pour éteindre, surtout dans le bâtiment public. Il y a un extrait d'un micro Roosevelt Desrosiers avec Wilson Idoré. En ce qui concerne l'intervention de l'honorable sénateur Yuri Latortue, qui feront inventaire de tout cas d'incendie depuis 2004, définitivement, nous pensons que le système n'a aucun problème. Parce que nous ne pouvons pas dire que ce sont des pyromanes capables de mettre du feu de tous côtés. Bien sûr, nous avons des incendies criminels qui sont faits en Haïti depuis lors, si nous parlons de 2004. Côté que nous avons des incendies accidentels. Il arrivait que nous avons cascade soit d'incendie ou encore de suspicion, du moins de fausse alerte et d'incendie qui fait. Moi, je prends note de tout ça que le sénateur a dit en ce qui concerne l'application de la loi. Je pense que c'est dans quatre applications de la loi ça, que noté d'ailleurs dans la déclaration politique générale, nous côté que au niveau des villes, par exemple, service de sapeurs-pompiers, côté que chaque ville moyenne pral doté et les grandes villes yo pral doté d'un service de pompiers avec un camion qui est adapté à l'environnement. Nous, ça, c'est un bail que nous penchons sous lit et qui pral arriver pendant les deux prochaines années. L'application de la loi, à savoir l'utilisation d'extincteurs au niveau des bâtiments publics. Et nous avons dit que la plupart des bâtiments publics yo gen extincteurs, mais moi, pour aller faire un inventaire de la situation et si nécessaire, je vais faire circuler en sortie pour me demander, exiger tout responsable de bâtiment public pour doter bâtiment public de extincteurs. Nous pensons que mairie a un rôle important pour jouer dans la gestion marché et dans sécurité marché. Mais nous sommes d'accord que y a un petit vide au point de vue loyal en ce qui concerne sécurité marché. Et je pense que en tant que décideur, nous tous nous pas mettre tête nous ensemble pour nous voir qui gens que n'est-ce pas vrai soit force policière car à disposition de marché soit à la disposition des municipalités ou bien on l'autre formule qui permet que nous contrôler problème de sécurité marché. L'État a des outils dans même pour le cas agir en cas d'urgence. Nous avons, n'est-ce pas vrai, subventions au niveau de plusieurs ministères. Chaque ministère a un budget pour subvention. Ça, c'est son premier bagage.
Mais deuxièmement, nous avons un fonds d'urgence. Si nous avons, par exemple, un cyclone, ou un désastre, ou un bagage, ça, que nous avons au niveau du budget national. Donc, nous avons regardé ensemble pour nous voir qui mécanisme avec le ministère des Finances, tout en respectant, n'est-ce pas vrai, la loi finance, pour nous voir qui gens que nous joignent des moyens pour nous capoter en subvention pour chaque marchand, même si c'est une subvention qui est symbolique, mais c'est une subvention que nous avons poté pour nous dire que l'État avec nous. Directeur général de la police nationale, là, Michel-Ange Gédéon, déclaré police nationale d'Haïti, pas gain pour mission pour bail sécurité dans ma chéo. Dans l'invitation au Sénat République, là, mercredi 21 février, pour te questionner sous responsabilité PNH, la gagné pour assurer sécurité ma chéo. Chef police nationale, là, fait qu'on est. C'est Mario qui gagne mission pour bail sécurité dans ma chéo. Un extrait d'Amico Roosevelt Desrosiers et Wilson Idoré. Nous tellement connaît que zone ça son zone stratégique que nous gagnons là-dedans 4 postes de police qui intervenaient dans le secteur ça, le commissariat de cafétéria, sous-commissariat Saint-Joseph, sous-commissariat La Saline et même bicentenaire qui dédié à sécurité parlement l'y intervenu en bas. Donc c'est pour rassurer que malgré tout, nous connaissons notre zone stratégique. Et sous Salomon, nous avons comme ça y a là-dedans. Problème, nous les arrivons de marché. Malgré bon vouloir pour m'intervenir. Qui côté m'a passé pour m'y va attendre? Toute rue dans la zone commerciale là, c'est marché. Je suis prêt pour toujours faire une réponse. Je suis prêt pour toujours faire prévention. Mais Wolpam n'a pas organisé pour que ce marché. Wolpam, ce n'est pas le fadra en bas de la ville là qui empêchait justement d'avoir accès à l'espace. Wolpam, ce n'est pas le marché dans le temps de l'eau, la boue qui gagne parce que à un niveau ou à l'autre, il n'y a pas fait. Mais moi, monsieur Mio, là, il y a une volonté. Commission justice, sécurité publique et défense nationale, Sénat, République, là, fait qu'on est l'aptonne réponse gouvernement sous dix faits qui prennent à ma chéo. Après investigation, après invitation au CSPN, non, mercredi 21 février, pour te débattre sous cause dix faits. Namachéo, président commission 1, Jean-Renel Senatus, déclaré dans un délai yon mois, commission 1, pour évaluer sa gouvernement fait dans sans ça. Yon extrait dans Miko Roosevelt Desrosiers et Wilson Idoré. Nous avons attiré l'attention du Premier ministre sur la loi sur question du service pompier qui fait obligation pour les communes pour gagner des matériels. Et il a dit lui-même, il est prêt à regarder au fur et à mesure comment il est capable d'appliquer les dispositions légales qui existent dans, dans ce sens-là. Nous prenons note que sous cette carrière avec moral police, le directeur général de police dit nous que les policiers ont une prime de risque yo, et ça qui est arrière de grade, ils sont prêts à le toucher le plus rapidement possible. Arrière ça. C'est une décision qui est déjà arrêtée. Notez ouais, notre intervention qui est faite, nécessité pour conseiller du travail qui est fait entre ministère, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, bien sûr, avec le secrétaire d'État qui est concerné, la commission intérieure du Sénat, le DGPNH, la commission des TPTC. Et là, nous avons parlé entre nous pour nous fixer la séance de travail ça, 6 mars, dans la matinée 10h, nous avons bien travaillé ça pour nous capables de chita, FENAM, bien sûr, à inviter à CS travailler ça pour nous garder comment ensemble nous avons une réponse d'État à la question de sécurité marché. Marché, yo. Premier ministre engagé pour d'ici demain, si je veux, pour le faire un appel à ministre Santé publique pour gagner des psychologues
que vous mettez disponible pour marchands qui a traversé un moment difficile ça. L'autre point dans le journal là, commission Kilti ak communication dans le Sénat, rencontré jeudi 22 février à ministre Kilti à communication en Limon Toussaint avec directeur général ministère Jean-Michel Lapin. Organisation Carnaval 2018 là, tenant mi-temps discussion yo, président commission en sénateur Garcia Delva réclamé un rapport détaillé sous gestion 186 millions gouttes qui était disponible pour organisation Carnaval. En suivant, un extrait d'un micro confident avec Théodore Darius. La commission a été rencontrée avec le ministre, avec le directeur général, là, qui est le vice-président du comité Carnaval. Nous avons parlé de budget Carnaval, là, de tout ça qui a bien pendant tout, 3 jours, 11, 12, 13 février. Hein, et je dis là, nous avons rencontré avec eux encore pour nous parler de budget Carnaval là, et comment la dépense et toute l'activité. Logistique, puis un peu le monde qui était un peu le problème dans le carnaval. Nous avons dit que nous avons eu un vraiment un rapport qui finit. Nous avons rencontré ensemble avec eux pour une nation capable de connaître 186 millions de plans, comment les dépenser. Le contrat qui fait avec Zazio, tout ça, le contrat qui fait avec mon responsable, et toute discipline qui doit gagner dans le carnaval. En fait, c'est dans ça nous passe. Il y a plusieurs sénateurs qui étaient là, qui posaient plusieurs questions. Les carnavals là sont bagarres qui sont dans tout le pays, mais pas de discrimination. L'un des carnavals national, c'est carnaval national, il faut le faire dans toute commune dans le pays, il faut le faire dans toute section communale dans le pays. Ministre Kilti à communication, Limon Toussaint promet avant longtemps l'abgain pour remettre commission Kilti Sénat un rapport détaillé sous dépenses 186 millions gourdes pour Carnaval 2018 là. Ministre Toussaint fait qu'on a une grosse satisfaction, c'est arrivé organiser Carnaval là sans ministère, pas gain aucune dette. Il y a un extrait d'un micro fait d'un confident avec Théodore Darius. Comité a doué fourni by ministère un rapport bien détaillé que nous allons soumettre by président commission pour le transmettre li by chambre sénat. Nous ka parler de satisfaction parce que peuple là tape défoulé, c'est un moment de défoulement, d'épanouissement que de défoulé dans la sérénité, dans la paix et pas de gain rivé, gain monde qui mouri, zéro mort. Et puis gros succès carnaval là, c'est que des concerts avec représentant financier, responsable financier, nous te travail pour te gon carnaval sans dette. Et nous arrivons à l'objectif premier ça que nous avons fixé tête, donc que l'État haïtien a fixé tête, l'administration Moïse Lafontaine a fixé tête. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire nous satisfaits. Nous sommes conscients que il y a certaines erreurs qui arrivent au niveau logistique, que nous avons un rapport et que nous prenons des mesures pour ça pas arriver répéter l'année prochaine. Dossier éducation, député circonscription verrait là Gérard Lormeus exprimer désaccord sous décision gouvernement prend pour camper programme scolarisation universelle gratis à obligatoire sous go. Selon parlementaire, programme là pas parfait, cependant l'IT permet en pile timoun à l'école. Yon l'autre bord, député Lormeus souhaitait ministère éducation nationale avec formation professionnelle prend toute disposition pour payer tout professeur qui gagne l'aide nomination dans Mayo, sans oublier nommer tout professeur qualifié cap travail qui pas nommé. En suivant extrait d'un micro fait d'un confident avec Théodore Darius. Le gouvernement qui était passé avant eux, qui était institué au programme l'école gratis. C'est-à-dire que, et qui était le PSUGO. Maintenant, il était tout problème, il était un gargote, en pile corruption. Mais il faut que nous disions que, ce n'est pas ça que fait, vous êtes obligé de camper, parce que le gouvernement a campé le programme Sugoua. Et là, campé, actuellement, nous avons pile de monde qui sont dans des zones reculées, qui parlent l'école, parce que l'école, ça yo, par le fait que vous n'avez pas de subvention, vous êtes obligé de camper, et si vous l'avez dans la rue. Plusieurs côtés dans le pays, il y a l'école qui est en grève, c'est-à-dire que les professeurs n'ont pas le travail. Et ils sont en grève pour qui ça? Ils sont en grève parce que nous avons un groupe d'enseignants qui ont l'être dans le depuis plusieurs années, qui n'ont pas jamais touché. Nous avons un groupe d'enseignants qui sont dans la salle de classe depuis plusieurs années, ça veut dire qui n'ont pas gagné la nomination. Et nous avons un groupe d'enseignants qui ont un programme pour NEC, pour NEI, ça veut dire qui parle sous 3 ans là, qui ne va jamais toucher. Le ministre de l'Éducation nationale, là, avant l'école ouvrir en septembre, il était annoncé que tout professeur qui est en salle de classe a besoin de lettre pour rentrer dans la salle de classe avant l'école ouvrir. Mais aujourd'hui, nous en février, nous en fin mois février.
nous dans 6e mois année scolaire là, ça que son année scolaire qui gagne 10 mois, ça que professeur pour que jambe gagne lettre dans main. Ça que et si ministre pas prend bien n'a pas des ministres, ça que pour prendre toute disposition pour rentrer pour parler avec syndicat yo, ça que pour année l'école là maintenant qu'a fini bien pour année l'école là pas passer mal. Nous allons observer une pause publicitaire après tourner dans un petit moment. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérés disent ça au fin de payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre des data avec médicaments. C'est celle qui celle qui va relever illimité sur data avec médicaments. En effet, nous voulons prendre gros le roi avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin de payer. Pas jamais se perdre encore. Application magique. Son équipe pédagogique yo pote zam en cachetant dedans l'école pendant y a rien pour yo suivre une formation spéciale. Président Trump déclaré décision ça a empêché malade mental yo rentrer dans l'école yo faire viezak. Tu vas annoncer tout li pral prend mezi qui force ou vérification passer tout monde qui envie acheter zam. Famille 17 victimes yo te présent tout dans rencontre ça. I was reading today. Tabli jodi a encore un jeune garçon 20 l'année rentré dans un magasin et acheter un AR-15 dans 7 minutes avec une pièce d'identité périmée. Comment ça fait facile qu'on s'approche de petites armes ça? Dans un silence total, Trump te prend doléance Andrew Polak qui c'est papa youn dans 17 victimes yo. Combien l'école, combien de monde qui doit perdre la vie? Ça doit suspendre pour nous avec l'administration ça. Moi, pas dormir jusqu'à ce que le problème soit réglé. Qu'on a parlé de la polémique là, c'est bail professeur aux âmes pour améliorer la sécurité dans l'école. Yo. Série bombardement yo nan Ghouta oriental nan pays Syrie ra poursuivre jeudi 22 février à côté 310 moun pedi la vie yo nan 4 jours parmi yo 40 ti moun pou kounia aviation syrienne continue à bombarder zone qui situé tout près capitale Damas. Ghouta oriental sous contrôle l'armée syrienne Libla. Ça fait plusieurs semaines depuis les Nations Unies a tenté présenter un vote dans le Conseil sécurité dans l'idée pour imposer yo déposer ZAM pour environ un mois dans le pays Syrie. 400 000 moun en otage dans la zone ça, yon seul convoi aide humanitaire arrivé rentrer dans Ghouta oriental semaine passée. Seulement 7200 civils arrivés joindre aide si là. Je suis profondément attristé par les terribles souffrances endurées par la population civile dans la Ghouta orientale. 400 000 personnes vivent là-bas, un enfer sur terre. Mais rappelle-t-il, avant nous aller, secrétaire général marché commun caraïbéen, Erwin Larocque, rentré dans le pays d'Haïti. Commission interministérielle qui chargée pour supporter marchandes victimes d'effets marché en feuille, remettre plusieurs chèques 20 000 gouttes de bail marchandes qui t'aiguent marchandises yo boulé dans marché A. Cérémonie remis chèque là déroulée dans Primati Jodia. ONG Oxfam Grande-Bretagne n'a pas autorisé fonctionner dans PIA jusqu'à nouvel ordre. Ministère Planification et Coopération externe annoncé Mési Conservatoire ça contre ONGA jeudi. Commission Kilti ak communication dans Sénat rencontré jeudi 22 février à ministre Kilti ak communication Limon Toussaint et puis directeur général Kilti ministère Jean-Michel Lapin. Discussion yo déroulée sous gestion budget qui était disponible pour organisation carnaval 2018 là. L'actualité internationale là, président américain Donald Trump recevoir hier mercredi à dans Maison Blanche élève avec parents victimes fusillade par Clandland. Pendant rencontre là, président Trump a pas caché intention li sous l'idée pour ta autoriser professeur yo potezam dans l'école yo. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Restez suivre reste programmation 1. Bonne nuit tout le monde.